Bienvenue sur la chaîne F1 RCX. Alors je vous présente les Salix, ces sols crevettes là. Donc nous sommes le 1er août. Alors vous voyez qu'il y a ça a bien poussé. Donc moi c'est le moment idéal pour les tailler en boule. Hein. Voilà, voici un qui est taillé ce matin. Là. Et surtout lui apporter un petit peu de compost, voilà, car il est assez fragile. Hein. Alors voilà, c'est un arbre qui adore l'humidité. Donc toujours veiller à lui donner un peu de compost pour la nourriture et en terrain très sec, déconseiller quand même un peu. C'est pas facile. Voilà, et toujours, voilà, donc début août, à le tailler en boule, c'est beaucoup plus sympa, hein, beaucoup plus joli. Là, vous apercevez là, de l'autre côté, là, bien taillé. Bien sûr, avec cet instrument, là, délicatement, là, on taille ça en boule, on prend son temps. On n'hésite pas à prendre un petit escabeau si le salix est assez haut. Vous voyez, parce que là, c'est un salix, ça part dans tous les sens. Et là, vous avez de belles branches là pour éventuellement faire des boutures, ce que je vous ai fait dans une ancienne vidéo. Là, tout à côté, les verges d'or, là, magnifiques, là, en fleurs, pas très jolies. Et moi, j'ai fait toute une bande de lavande, là, très commune, là, qui donne un bleu, donc qui donne un petit effet bleuté. Ah mais là, la vente est pratiquement terminée. Alors on voit très nettement la différence entre un salix taillé et un salix qui pousse dans tous les sens. C'est nettement plus joli. Ici nous sommes...